Eh bien bonjour tout le monde, salut tout le monde, c'est Insidious et on se retrouve pour un tutoriel sur Minecraft. Donc c'est pas trop un tutoriel en fait. Tout simplement une construction d'un petit bâtiment. Il n'a pas de nom, hein. C'est la nuit, c'est super. Et ça, c'est un petit tuto mal enregistré. Non. On va vite remplacer tout ça, tout casser. On va prendre du sable, on va mettre de la redstone. Donc, je m'excuse si la qualité n'est pas superbe. Déjà, mon micro tombe, c'est super. Oh là là, c'est chiant ça. Et voilà. Toi, tu vas me gêner. Donc voilà, donc on va faire avec vous l'emplacement déjà. On va découvrir l'emplacement de cette prochaine maison, hein, pour le serveur donc Mario Kart que j'ouvrirai. Donc ici ça pourrait être pas mal, ça pourrait donner une forme donc à notre maison. Donc là je sais pas trop si, allez, j'ai une petite idée en quoi on va la faire. En stone déjà avec du bois. Donc en fait je fais les bases de la maison comme ceci. Hop hop hop. Là je calcule là où je pourrais la faire aller, donc c'est-à-dire jusqu'à là. Oui, elle sera largement assez longue. Allez, encore deux et on va se mettre ici comme ceci. Alors, je crois qu'on peut avancer encore de trois par mois. Encore de 1, encore. Ce serait une assez grande. Bon, quoi qu'elle soit un petit peu petite. Ah, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Ah, moi, c'est pas des maisons de luxe. Je ne m'appelle pas Kylia. D'ailleurs, Kylia. Tes maisons, d'ailleurs, sont jolies. Je l'ai dit, hein. Passer dans cette idée. Oh. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Bon, on n'est pas du égal à égal. Donc, ce sera bon comme ça. On va prendre du bois et on va élever simplement à 3. Ceci. Ah oui, donc je vais baisser le son du jeu. On ne veut pas que ça vous gêne trop. Donc vous me direz dans les commentaires de la vidéo si ça vous gêne beaucoup le son du jeu. Si non, bah si c'est non, je le mets, hein. Moi, ça me gêne pas et je trouve que ça le fait mieux. Et si oui, ben, j'enlèverai écouter. Je ferai tout pour vous, si on peut dire ça comme ça. Il y a quelques limites, hein. Mais bon.
qu'on va va la construire et on se verra en fait en deuxième partie. C'est-à-dire, je crois pas qu'on va pouvoir réussir à faire en fait cette partie. Hein. Écoutez, une partie. Hein. On se verra peut-être dans une deuxième partie pour cette maison. Et voilà. D'après moi, deux bûches ici serait suffisant pour une mini déco. Je le précise bien. Hein. Voilà. Donc, on va prendre des bûches. Voilà, deux bûches comme celle-là. D'accord, voilà, ici. Hein. Comme ceci, donc on va jump. Super fail. Comme ceci. Et donc là, on va remplacer comme là. Oula! Là on peut le dire, j'ai fail. Ah, ça va être égo. Hein. Oui, gros fail. Donc toi le mini cochon, tu vas vite partir. Mais sinon, écoute, c'est la mort à vif qui t'attend. 3, 2, 1, oh, et tu me pousses pas. Voilà, tiens, sataniste. Je n'ai rien contre les satanistes. On va commencer à faire le sol avec vous. Et on verra bien si on a le temps de le faire ensemble. Je ne pense pas. Donc en fait, je vais devoir vous quitter quand il y aura la nuit. Hein. Car ça fera à peu près dans les 13-12 minutes, je crois. Suffisant pour une première partie. On aura déjà bien avancé, on aura fait les parties. Ce sera ça. Bah apparemment on va pouvoir le commencer ensemble. Donc là, j'avais un petit doute sur comment le faire. Je viens d'avoir une petite idée. On va voir, je crois que ça peut donner très bien. D'après moi, ça peut donner très très bien. On va bien voir ça. Je vous le dis, le lapis-lazuli, c'est ma couleur préférée. C'est vraiment une couleur d'un bleu. On dirait un petit peu un bleu clair. Donc je vous donne en même temps une petite méthode de déco très sympathique avec la laine. Ça donne un aspect très très joli, je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise ce système. Donc je crois l'avoir vu sur une vidéo de force 7 Kojikin, je crois que c'est. Okay. Excuse moi si ce n'est pas ça, je vous donnerai le lien de sa chaîne dans la description. Et donc voilà, excusez moi si je ne parle pas trop. En concentration maximum, vous me direz, il n'y a pas besoin de concentration pour faire un truc. Il y en a comme ça. Donc, je crois.
crois qu'on aura juste le temps de poser la laine. Tout simplement. Et on devra se quitter. Car je ne dois pas dépasser en fait la limite de YouTube. Je fais ça rapidement. C'est bien fait, hein, comme on dit. Et donc, voilà. Peut-être le temps de mettre les portes comme ceci. Je trouve c'est joli, c'est joli. On va commencer le toit. Ah, je crois que la nuit tombe, je ne suis pas sûre. Ah, je sais pas, on va bien voir, hein. 10 minutes c'est assez long, hein. Mes vidéos, voilà, fera à peu près 10 minutes, donc celle-ci sera peut-être un petit peu plus longue que là. Ouais, voilà, il fait que là, donc que là. Non, voilà. Donc j'arrête de parler, on verra bien le moment venu. Le moment de la nuit. Ah, là, un petit peu assis avec mon bras et ma souris, j'essaie de pas faire trop le poids avec moi. Car elle est assez grosse et quand je la bouge, j'ai remarqué dans des vidéos test, ça fait un petit peu de bruit. J'essaie de faire le moins de bruit possible. Et donc oui, je crois qu'on va pouvoir se quitter en fait sur la fin du toit. Donc on aura énormément avancé, j'ai l'impression, sur ces maisons. Donc ça commence bien, on est à la troisième maison du serveur, donc la première vidéo que je fais car je viens d'avoir Praps, tout simplement. Hop, et attention, tadam, c'est mieux. Là par contre j'ai l'impression que ça fait un petit peu blob, on est un petit peu beaucoup enfermé là. Parce que je sais pas si vous saviez, j'aime beaucoup les vitres. Donc moi je mets de la glace et pas des vitres, car ben, je suis habituée à mettre de la glace tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Donc on va se quitter maintenant. Je sais que ça ne fait pas 10 minutes. Ce qu'on a fait, mais bon, pour tout vous dire, j'ai pas un ordi très 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 puissant, donc voilà. Ok, bon, allez, bonne hauteur, bon truc, j'affonde. Bon bah c'est tout, c'était Insidious et pour ce petit cette petite vidéo, donc faire la maison numéro 3 du serveur. Donc c'était Insidious, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ciao tout le monde, à la prochaine.